Faire un bisou pour que je puisse me transformer. Te transformer en quoi? Oh, tu es un prince. Non, oh, je vais aller sur le nénuphar là-bas. Mais je n'ai pas de bras pour ramener. Par contre, mes pattes sont formidables. Regarde, je peux sauter très loin. Forcément, je n'ai pas pu prendre mon élan. Et tu peux marcher avec ces pattes? Je ne marche pas, je saute. Attends, attends! Un animal avec deux gros yeux, une langue collante, la peau verte et tournoyée, et quatre pattes pour sauter. Ça y est, je sais, tu es une grenouille. Ça alors, comment tu as fait pour deviner? Elles sont grosses, par contre. Grosses comment? De vie. Elles ne sont pas comme ça. Ah, voilà qui est mieux. Tiens, regarde ce que je sais faire. Je peux sentir une bonne odeur à des kilomètres de distance. Qu'est-ce que ça sent? Oh, ça sent le miel. Délicieux. Ce que tu manges? En automne, je dois beaucoup manger. Quand j'ai le ventre bien plat, je vais me coucher et j'adore tout l'hiver. Tu n'as pas froid? Oh non, je suis couvert de poils. Oh, ceux-là sont trop longs. Non, non, non. Oh, ils sont trop fins, ceux-là. Achou! Oh, les voilà, mes poils. Au revoir, on se voit au printemps. Attends, attends. Un animal avec quatre grosses pattes, un super odorat, un gros ventre, des oreilles rondes et une fourrure bien chaude. Ça y est, je sais, tu es un ours. Oh, ça alors, comment tu as fait pour deviner? Tu es un tracteur? Non, même si je peux tirer des poids très très lourds. Mais ce que je préfère, moi, c'est promener mes amis. Je n'ai pas de roue, j'ai quatre pattes très fortes. Chouette, on va faire un tour. Attends, c'est quoi ce bruit? Quand je marche, tout le monde me reconnaît. Écoute. Quand je fais un pas, ça fait comme ça. Tac 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 tac. Et quand je cours, tac 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 tac. Hé, ne pars pas. Regarde. J'adore courir dans la prairie. Wow, où es-tu allé? Chez les cow-boys. Non, je plaisante. Et les Indiens, tu les as vus? Oui, mais je n'ai pas de plume. Moi, j'ai des poils et des crins et une très longue queue. Regarde. Oh, que tu es beau. Et si on allait se promener? D'accord, mais avant, tu dois dire le mot magique. Allez, attends, attends. Un animal très travailleur, avec des pattes très fortes, une jolie queue et un poil soyeux, et que tout le monde veut monter. Ça y est, je sais, tu es un cheval. Oui.
Papa, je glisse. Ça alors, comment tu fais? Devine. Pas sur des patins. J'ai glissé. Pas sur une luge non plus. Moi, je glisse sur le ventre. Comme ça. Et quand je ne suis pas pressée, je marche. Oh, il fait drôlement froid chez toi. Oui, tu as raison. Il faut que je mette mes plumes. Ah non, ça ne va pas. Ce ne sont pas mes plumes, ça. Ce que tu es chic. Tes plumes te font comme un manteau. Et tu as vu mes ailes. Dommage que je ne puisse pas voler avec. Ni me réchauffer, d'ailleurs. Quand j'ai froid, j'appelle mes copains. On se serre les uns contre les autres. Et quand on n'a plus froid, on se sépare. Et maintenant, je vais te montrer à quoi me servent mes ailes. Oh, il me manque quelque chose. Non, ce n'est pas ça. Oui, c'est ça, mon bec. Grâce à mes ailes et mon bec, je nage très vite et j'attrape plein de poissons. Attends, attends. Un animal qui vit sur la banquise et qui a un bec pour pêcher, deux petits pieds palmés, un manteau de plumes, deux petites ailes pour nager. Ça y est, je sais, tu es un pingouin. Ça alors, comment tu as fait pour deviner? Le ventre noir, une carapace rouge à points noirs et deux grandes ailes.